Christiane Jatailly, bonjour. 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 Bienvenue à vous autour de cette grande table culture. Lyon d'or, je le disais, à la Biennale de Venise, mais aussi artiste associé au Théâtre de Lédon à Paris, en même temps qu'au Museum de Marseille cette année. Après avoir adapté et transposé dans le Brésil contemporain le chef-d'œuvre de Strindberg, Mademoiselle Julie, puis les trois sœurs de Tchekhov en What If They Went to Moscow, vous reprenez Dogville de Lars von Trier, au théâtre, qu'est-ce qui vous a touché dans le destin de cette femme, de cette héroïne, la grâce de Dogville, la grace hein, devenue euh, grâce à l'héroïne de votre pièce à vous Bon Bonjour. Euh, D'abord, je voudrais m'excuser parce que mon français est loin d'être parfait. <laughs> bon, euh, oui, j'ai décidé de, de travailler avec cette ouvre, les Dogville. Parce que pour moi, ça a collé beaucoup à ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. Et donc, euh, je pensais que c'est important de, de parler et de penser comment le fascisme peut arriver dans notre société euh, d'une manière très invisible. Et donc, euh, grâce à... Et cette femme qui arrive dans une petite communauté, qui est différente des deux films, peut être en quelque place, en quelque endroit. Et elle vient en, en cherchant la possibilité de trouver. Une société ouverte pour, 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 pour qu'elle puisse être ensemble, pour qu'elle puisse recevoir voir pour cette société. Et à la fin, les, on tombe encore dans, dans la tragédie du film des Las Ventrilles. Oui, c'est vraiment une héroïne tragique aussi, hein, cette Grace, grâce hein, à, dans votre pièce, Christiane Jataï. Elle, elle est à la fois la, la figure de l'étrangère, un peu dans le prolongement de, de votre diptyque, Notre Odyssée, dont Ithaca, que vous aviez mis en scène en 2018, elle est à la fois cette étrange inconnue qui fuit un pays où le fascisme rampe et arrive dans cette communauté nouvelle, toute vulnérable, et elle est en même temps cette, cette femme qui va connaître un, un destin tragique et tenter de l'enrayer, ce destin. Ouais, c'est ça m'intéresse, je pense que c'est important qu'on continue à parler sur la question de, de l'immigration, des réfugiés. Bon, on vient de parler de ça, non, c'est avec la guerre, euh, les mouvements des gens n'arrêtent pas de, de, de continuer. Et, et donc, euh, c'est pour ça que dans ma recherche, je continue à, à, à me poser des questions sur ça et, et entre Cheng c'est encore une fois. Et oui, elle, a, elle vient en cherchant cette possibilité de, de trouver. Un autre fin pour cette histoire, un fin qui des rencontres. Et, mais comme les films euh, et même que les personnages de l'histoire que nous sommes en train de faire veulent aussi changer cette passé tragique qui c'est l'histoire du film. Et ils sont ils, ils toujours tombent dans la même fin tragique, mais pendant toute la pièce, il est en lutte, il est en bataille, il y a même un, un désir, un envie de, de changer et d'échanger les présents pour pour pour, pour peut-être échanger aussi les futurs. Alors cette communauté, ils sont nombreux hein, sur scène, ils sont nombreux à l'accueillir aussi, ils prétendent l'aider, ils pensent l'aider, mais finalement tous l'utilisent, l'exploitent. On écoute un extrait de la pièce Entre chien et loup mise en scène par Christian Jataï. J'ai pensé que je pourrais te renvoyer d'où tu viens. J'ai pensé que je pourrais te faire du chantage pour que tu me respectes. Toi, mon respect. Les infos à ton sujet, foisonnent sur internet. Tout le monde en parle. Dieu sait de quoi cette fille est capable Elle sait des articles. Ça, c'est ce que toi tu dis. C'est pas ce qui circule sur toi. C'est pour ça que j'ai pensé que je dois dire ce que je sais. Qu'est-ce que tu sais Hein Qu'est-ce que tu vas dire Tu sais rien de moi Tu me connais pas Quelle violence va-t-elle subir, cette, cette inconnue qui arrive dans cette communauté, Christiane Jatei? Oui, bon. Euh, la première chose que je pense que c'est important de dire, c'est que grâce à, dans cette pièce, différente des grèces du film, elle réagit, tout le temps. Elle, a, elle, elle joue dans le sens aussi des pensées comme, comme ensemble, elle peut changer cette histoire. La violence arrive euh, des... Peu à peu. Elle euh. n'est pas que victime, elle est actrice. Hein, elle est aussi. actrice, oui. Mmh. Elle est victime, elle est actrice. Et, et en même temps, elle a. Elle pose, elle connaît l'histoire du film. Elle ne veut pas répéter la même histoire. Elle connaît cette passé. Et donc ça, c'est la différence. Et, et La violence arrive peu à peu, comme, comme la scène vient de, de montrer. Et au début, euh, elles sont ouvertes. Après, ça commence une espèce de dette, euh, une dette qui, qui va obliger à elle à payer cette dette. Mais comme elle ne peut pas payer, ça commence l'exploitation. Et l'exploitation euh, va jusqu'à un moment d'exploiter son corps mmh. donc euh, on elle arrive dans toutes les sens comme peut arriver dans les gens qui qui, qui n'a pas quelques possibilités de, de sortie. quel miroir cette étrangère leur tend elle à ces hommes et ces femmes présents dans cette communauté ou ou autrement dit Christiane Jataï pour vous quel miroir cette étrangère nous Qu'est-ce qu'on voit Quel reflet, quelle image de nous voyons-nous dans ce miroir qu'elle nous tend C'est intéressant ça parce que l'étranger, il y a deux, deux, deux possibilités. Un, c'est d'accepter l'étranger, qui c'est des choses qui ne sont pas les mêmes que l'autre. Euh, mais aussi, comme, comme vous avez bien dit, c'est aussi la possibilité de, de voir nous-mêmes. Il y a un moment de la pièce qui, Philippe Duclos parle, qui la présence de Grassa révèle euh, ça. ça à sa histoire, mais aussi l'histoire de ce cette, de cette, de cette groupe, de cette, de, de cette personne. Je pense que l'étranger, c'est ce qui est, est, est dans nous aussi, dans ce que nous, nous, nous ne connaissons pas. C'est la possibilité de, de connaître à nous-mêmes hein, dans le sens d'ouvrir notre regard et pour... pour Apprendre des autres choses qui, qui peut-être, c'est pas en menace, mais c'est la possibilité de, de, de trouver des nouveaux dans notre, dans notre vie. Mmh. Pas que, mais c'est aussi une pièce sur la condition de la femme, hein, Christiane Jataï. Et aujourd'hui, justement, on est le 8 mars, c'est la journée internationale des, des droits des femmes. Quelle féministe êtes-vous, vous, vous, Christiane Jataï Bon. Euh... Je pense que euh, bon, je, je suis féministe parce que comme nous, comme femmes, euh, impossible de ne pas être féministe dans ce monde. Euh, nous sommes toujours en train de prouver quelque chose. Euh, même quand nous avons d'espace euh, la place des femmes, c'est toujours un place d'affirmation, des, des, des de confirmation de quelque chose pour avoir, pour avoir euh, des espaces pour parler, pour, pour être entendue. Euh, dans cette pièce qui s'est très violente avec, euh, avec euh, les femmes, pour moi, c'est une dénonce. C'est une dénonce pour, euh, pour penser comme. Je, je ne montre pas, j'ai changé beaucoup la pièce après Avignon, parce que j'ai décidé de, de ne montrer pas tout de les ouvrir la possibilité que le public peut imaginer des choses et donc euh, la violence la violence elle est là parce qu'elle existe elle existe toujours la violence ça, comme il, a des, il a elle se manifeste de beaucoup de manières dans la pièce qui c'est le théâtre elle se manifeste dans la, dans, dans les corps des des grâce et, mais je pense que c'est important qu'on on, on mette la tragédie là-bas pour que, pour, que, pour que la voie, pour que nous pouvons la voir et, et ne répéter pas dans la réalité donc euh, je pense que la lutte pour l'espace pour des femmes ça continue et c'est important qu'on n'arrête pas de parler qu'on n'arrête pas de, de demander notre espace et, et je peux dire que ce que nous vivons maintenant au Brésil qui c'est aussi le fascisme euh, bien sûr qui qui les qui les premières euh, à, à être euh, offensées à être euh, at atteintes pour ça sont ceux qui on parle qui ont de la minorité qui ne sont pas vraiment la minorité qui sont euh, les noirs les indigènes les femmes tous la, la les groupes de LGBT donc euh, c'est c'est la lutte ne c'est pas c'est des femmes, c'est des, des, beaucoup de gens qui sont considérés des minorités aussi dans l'espace de la parole. Oui, c'est ça, parce que vous êtes, vous, une femme dans la vie, engagée dans votre théâtre aussi, comme metteuse en scène ou metteur en scène euh, sur toutes ces questions, hein, et notamment depuis l'arrivée de, de Jair Bolsonaro au pouvoir, sur le nationalisme, sur le populisme, sur ce combat pour les minorités, le combat environnemental, écologique aussi, qui pose question euh, euh, très sérieusement au Brésil. Mais vous diriez que le féminisme, votre féminisme, en tout cas, vous le concevez comme un, un combat qui traverse toutes les luttes politiques. Il est présent un peu partout. C'est pas un combat en soi à part. Oui, bien sûr, il est partout parce que c'est impossible de séparer. Par exemple, dans mon travail, il est très très présent. Même quand je ne parle pas, quand je ne parle de ça, il est présent. Maintenant, je suis en train de montrer un spectacle à Zurich aussi. Entre chain et les entraînements là et il est en la trilogie. Je suis très obsédée pour des trilogies. Et la première partie, c'est sur le fascisme. Et la deuxième partie, c'est sur la masculinité toxique, sur le patriarcat. Et comme le patriarcat et la masculinité toxique, et comme arrivé au Brésil, et la première violence, c'est sur la nature, sur la forêt, sur l'écologie, sur, sur, sur qui c'est aussi une représentation des de, de femmes. Donc, c'est de l'idée des femelles, de, je ne sais pas comment dire parfaitement, mais. Donc, euh, quand, quand on. Quand on on, on pense que, que la forêt, que la vie, elle n'a pas de valeur. C'est aussi une agression contre l'idée de, de la vie. Et, et pas Pour moi, c'est inséparable de la présence des femmes. Invité de la grande table culture aujourd'hui, la, la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatay, à l'occasion de la découverte pour le public parisien, ici au théâtre de l'Odéon, de sa pièce Entre chiens et loup, pièce qui va voyager encore. Elle a été créée au festival d'Avignon, au dernier festival d'Avignon. Elle sera prochainement à Vannes, à Milan, à Anvers, à Rennes ou encore à Annecy, France Culture, il est 12h14. Transculture La grande table Olivia Jesbert Ce qui est passionnant dans votre pièce, Christian Jatayi, pour ceux qui ont vu le film, notamment Dogville de Lars von Trier, que vous adaptez, que vous transposez, c'est l'inversion des contraintes, hein, le jeu des formes. Lars von Trier faisait entrer le théâtre au cinéma avec une unité de lieu, des décors imaginaires formalisés par ce simple marquage au sol. C'était déjà assez révolutionnaire. Vous, vous réussissez la, la prouesse contraire en, en invitant le cinéma au théâtre, un film dans le film avec ses contrechamps et son montage en direct. Comment vous avez pensé? comment vous avez eu l'idée de cette transposition mmh. Comment vous l'avez imaginée Oh, je travaille beaucoup avec euh, cette relation entre le théâtre et le cinéma. Et toujours, je pense, comme, comme le cinéma peut arriver au théâtre dans la dramaturgie. Donc, euh, ce n'est pas juste la projection, c'est aussi la manière que je vais jouer avec la, les dispositifs cinématographiques sur scène. Et bien sûr, quand j'ai pensé sur Dogville, il y a la question de sujet, comme on vient de parler, mais aussi il y a toute la question formelle, toute la possibilité de jouer avec la relation du théâtre et du cinéma. Et donc, c'est la ventrure dans son film. Il fait il met les le théâtres dans les cinémas. Moi, je fais juste l'opposé. Mais je pense aussi comme je peux jouer avec les deux temps, les temps présents du théâtre et le temps du passé du, du cinéma. Donc, euh, on montre des images en direct. Et, et aussi, on joue avec euh, des images qui sont du passé, mais qui sont qui, que nous avons fait les, les filmages, les tournages, sur les plateaux. Donc, pour le les publics, jamais c'est vraiment qui sait des images du passé et qui sont des images du présent. Et ça pour moi c'est très très lié à la question que je voudrais parler qui c'est comment on peut faire pour changer euh, les passés aussi donc comment comme les passés c'est présent et c'est important qu'on on, on on sait qu'il est là et comment on peut continuer à, à travailler pour les changer. Et donc euh, cette passé il n'arrive n'arrête pas d'arriver dans cette film qui on, on montre euh, euh, sur les plateaux. Mmh. Donc, le cinéma, il est, il est très, très lié à la dramaturgie de la pièce. Et la, la caméra fait partie du jeu. Hein. Comment on revisite le passé Comment on tire les leçons du passé Cette caméra, en tout cas, chacun euh, l'utilise aujourd'hui euh, sur scène, au théâtre, comme il le ressent. Je vous propose d'écouter les, les mots de Julien Gosselin, metteur en scène de théâtre, lui aussi, et grand utilisateur de la caméra, en direct euh, au, au théâtre. Il l'a intégré aussi à ses pièces, voilà ce qu'il dit sur cette caméra qui crée de la vie ou qui crée de la mort. Julien Gosselin. J'ai toujours trouvé que c'était un mensonge terrible quand les metteurs en scène de théâtre qui utilisent le cinéma disent c'est pour créer de la vie, du vivant. Je trouve que c'est une folie de dire ça. La caméra elle fiche quelque chose, même si, ou elle montre quelque chose. Elle montre. Et de fait, elle montre quelque chose qui naît à un milliardième de seconde près, plus vivant. Donc la caméra crée continuellement de la mort. Ou pour le dire de manière moins violente, la caméra crée continuellement de la nostalgie. Ce qui est n'est plus. Presque au même moment, à un milliardième de seconde près, donc moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est de constater presque la fixation sur pellicule et la tristesse que cela engendre. Le fait que le, le pur vivant, le rapport qui est normalement celui du théâtre, c'est-à-dire un acteur face à nous qui va vivre et échanger avec nous, être enfin vivant dans un monde où on ne l'est plus, ce rapport-là est brisé, malencontreusement, par l'usage de la caméra, et qu'on n'a plus que quelque chose qui nous dit non, ici aussi la nostalgie va régner. Est-ce que vous êtes, vous partagez ce, ce sentiment, ce ressenti de Julien Gosselin face à la caméra, au théâtre, sur cette idée qu'elle crée plus de la nostalgie que de la vie. C'est, c'est, très, très, intéressant ça parce que quand je parle des, des cinémas comme un en, enregistrement de passé, c'est aussi sur la nostalgie. Le passé c'est toujours l'espace de la nostalgie. Donc, euh, il, il c'est aussi parce qu'elle ne peut pas changer on peut changer au théâtre, on peut changer tous les temps. C'est pour ça que je qu parle beaucoup sur ça. Le temps présent, c'est le temps qu'on peut changer. Donc, le cinéma, même quand c'est en direct, il y a cette... Euh, c'est un peu comme... Un, on pense... Non, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Donc, euh, et quand j'ai déjà vu, c'est, il a, vient avec toute cette nostalgie du passé. Et je travaille beaucoup sur cette frontière. Euh, par exemple, What If, Dwayne to moscou. Euh, le public... Euh, une partie du public euh, est, va voir la pièce euh, qui, qui, qui sont la caméra et une autre partie du public va voir les films au cinéma. Les mêmes films dans les mêmes temps. Mais, mais, mais c'est un peu comme science, c'est l'utopie de l'autre. Donc, euh, comme on joue avec ces deux temps euh, qui sont, qui, qui, pour moi, c'est très intéressant de les mettre sur scène pour construire ce troisième espace. Et ce troisième espace où on peut marcher dans cette frontière euh, on j'ai pas inventé ce que je veux donc euh, et le cinéma il n'est pas là pour montrer quelque chose, il n'est pas là pour vraiment il est là vraiment pour construire on a possibilité de la dramaturgie avec des autres points de vue. Oui d'ailleurs vous dites le cinéma est resté mon refuge mais le théâtre me donne une structure hein, mm -hmm. aussi sur cette, sur cette idée là. Le tome de votre pièce dit au public nous allons filmer, essayer de ne pas répéter la même histoire, ni la nôtre, ni celle du film qui nous Qu'est-ce que dans tout cela le, le théâtre pour vous, Christiane Jataï, peut apporter d'autre, de différent Je pense que le théâtre, c'est un espace de la politique, euh, dans le sens qui, comme de la police, au moment où nous pouvons être ensemble. La vie de la cité. Oui, exactement. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que c'est toujours euh, la possibilité d'avoir quelqu'un rencontre et pense ensemble ce qu'on peut faire. C'est inséparable pour moi, ma position politique, de, de ce que je fais au théâtre, même quand je ne parle pas de politique. Et, et donc, euh, c'est pour ça que je pense que, que le théâtre, c'est l'espace où nous pouvons changer tout. Et quand j'ai dit, par exemple, que j'ai changé la pièce après Avignon, je dis avec toute tout mon fierté parce que si, si le monde change, la pièce qui on, qu on sommes en train de faire change aussi. Donc, pour moi, un processus de travail ne finit pas après la première. Il commence euh, parce que c'est à travers les rencontres avec le public que le théâtre se peut donner. J'ai une compagnie qui s'appelle Vertzi, qui c'est comme le triangle, il est et le point principal, c'est le public, c'est la réception. Donc, le public change la pièce et la pièce change le public. Bien sûr que le cinéma, on peut dire, oui, le cinéma peut changer aussi, mais, mais vous ne pouvez pas changer le cinéma. Donc, euh, c'est pour ça que le théâtre, c'est ça qui me structure. Et le cinéma, c'est un peu, un peu ma utopie, mon désir de, de penser plus, plus grand. Ouais, et, le, et le théâtre, c'est un espace... Euh, vous le dites politique, un, un espace aussi ouvert vers l'extérieur. En tout cas, vous le pratiquez comme tel, euh, et, et c'est un espace euh, mouvant qui peut évoluer, qui n'est pas hermétique, fermé à ce qui se joue à l'extérieur, si bien que, en ce moment, s'il y avait déjà très présent à Avignon la référence au Brésil, à, à la situation dans votre pays, Christiane Jataï aujourd'hui, vous faites entrer l'actualité de la guerre en Ukraine euh, sur la, la scène du théâtre de l'Odéon avec euh, l'une de vos actrices, avec Elise qui écoute les infos sur son téléphone, et, et ces infos parlent de ce qui se passe en Ukraine, des Ukrainiens qui fuient leur pays. Cette solidarité avec les, les artistes ukrainiens aussi que vous, que vous affichez euh, à, à la fin de la pièce, cette question des, des migrants, elle est intéressante, ce qui se joue hein, dans, dans ces réfugiés. Ukrainiens aujourd'hui qui partent vers la Pologne, qui partent vers la Roumanie, et qui sont ces nouveaux étrangers hein, qui vont euh, arriver dans des pays qui jusqu'ici étaient assez fermés euh, à l'accueil. Hein. Ouais, ouais. Ça, la, la vie nous, nous met toujours en surprise. Non et, et je pense que c'est important qu'on qu'on ait et au vert, euh, mouvement des, des personnes qui sortent euh, et qui a besoin d'aide, n'arrête pas de, de continuer. Maintenant, c'est l'Ukraine et c'est horrible ce qui se passe. Et, et peut-être c'est c'est une bonne leçon qui dans le sens qui c'est vraiment important qu'on pense. Maintenant, c'est l'Ukraine, c'est le Brésil, mais 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 cette chose, cette tragédie que ça passe dans le monde pour pour cette Violence, des, des, qui, na, qui bon, on peut dire que c'est aussi sur la question du capital et sur la question de l'argent, et, et qui détruit beaucoup, 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 beaucoup de, de sociétés dans le monde entier. Et on ne va pas réussir de faire les changements si ce n'est pas être ensemble. Et donc, euh, oui, nous sommes complètement solidaires. Euh, et à les artistes, à les peuples. Et... Alors, vous êtes solidaire, et vous le dites sur scène, avec les artistes ukrainiens. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi être solidaire avec les artistes russes Est-ce ouais. qu'il faut demander à tous les artistes russes ouais. aujourd'hui de se prononcer, de prendre position ouais. Ou est-ce qu'il faut distinguer à un moment l'art de la politique aussi ouais, ouais c'est important que tout le monde se mettre en position non et, et bien sûr je pense qu'il est et que les artistes russes bon qu'on le peut non parce qu'ils sont euh, dans la Russie c'est impossible non c'est très difficile de mettre en position mais c'est vraiment important d'avoir l'espace que les gens puissent parler et qu'on qu pense comment on peut comment on peut vraiment aider parce qu'on met les, les, les affiches à la fin mais Leodeon a mis aussi des, des, des des cartels pour, pour donner pour comment on peut recevoir comment on peut vraiment ouvrir l'espace l'espace pour, pour entendre l'espace pour aider parce que c'est important qu'on sorte un peu des de réseaux sociaux et on commence à penser des actions concrètes parce que je pense que nous vivons dans un, un moment où, où mettre des choses dans les réseaux sociaux paraît être que c'est le suffit pour 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 faire quelque chose et on a besoin de faire des choses plus concrètes pour pour pour, pour aider, pour changer. Des actions pratiques. Oui, des actions pratiques. Mmh. C'est ça. Mais je repose juste cette question. Est-ce que vous pensez quand même qu'il faut aujourd'hui, c'est appeler tous les artistes, et notamment les artistes russes qui sont en France, qui sont des chanteurs lyriques, des chefs d'orchestre, à prendre position, même si on sait que ça peut être compliqué pour eux au retour. Est-ce qu'ils doivent clairement affirmer euh, leur euh, réprobation de la guerre, de ce qui se joue aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut aussi à un moment... Laisser l'art en dehors de la politique Laissez l'artiste en tout cas en dehors de la politique Je pense que c'est impossible d'être artiste et être en dehors de la politique. Euh, moi, quand je parle de Bolsonaro par exemple, bien sûr qu'il a un risque. Mais je n'ai jamais arrêté de parler de ce qui se passe dans mon pays. Et donc je pense que c'est une obligation maintenant de tous les artistes qui sont dehors des Russias de, de défendre euh, les droits humains et, et de dire qu'ils sont contre cette guerre. Ça c'est sûr. Je ne peux pas parler pour les individus, mais quand je pense comme artiste, je pense que nous avons la responsabilité euh, dans notre parole et dans notre position à chaque moment. Et, et on ne peut pas être absent. Vous, la, la metteur en scène, ou metteuse en scène brésilienne, aujourd'hui, vous êtes, par votre théâtre, par la circulation de vos pièces très implantées en, en Europe, ce théâtre ou cette famille du théâtre européen, quelles affinités vous trouvez avec elle, Christiane Jataï oh, J'étais, je, je, je suis très très bien reçue. Et pour moi, c'est... Très important, le soutien et la, la vertu du public et des institutions avec mon travail. Et nous sommes dans un moment difficile de travail au Brésil. Les artistes nous sommes criminalisés d'une certaine manière. Ici, et bon, j'étais les, les privilèges, les hasards, la, la coïncidence d'avoir cet espace, cet moment-là, ça me possibilite de continuer. Et donc, euh, je, me, je me sens comme on a on a deuxième famille. Euh, ici, c'est c'est un peu chez moi, euh, parce que chez nous, c'est l'espace qu'on construit aussi. Et on a parlé beaucoup sur la question de l'immigration. et il l'utopie des migrants, c'est trouver en maison. Et, et les maisons, c'est les maisons de la nostalgie, du passé, et les maisons qui ont qui, c'est pas mon cas, mais qui les gens sont obligés de, de, de les aider. et quand on trouve une nouvelle maison, c'est même comme un, on trouve un, un, un nouvel corps, on trouve une nouvelle famille. Et donc euh, je me sens, je me sens Vraiment très, très bien, ici. et J'ai pu dire avec toute la sincérité euh, que j'ai remercié cette, euh, cette ouverture et cette rencontre que j'ai ici en France euh, et en Europe. Oui, pas qu'en France, hein, parce que c'est aussi euh, Zurich. Euh, vous travaillez avec euh, le Schauspielhaus de Zurich, avec la Schauspielhaus de Zurich. C'est aussi euh, Milan, puisque vous êtes artiste associé au Piccolo. Théâtre de Milan, c'est Marseille, c'est Paris, c'est toutes ces villes européennes et ces théâtres, cette famille du théâtre européen avec laquelle vous travaillez aujourd'hui. Merci mille fois à vous, Christiane Jatai, d'avoir été Merci avec vous. nous. Votre pièce Entre chiens et loups, adaptation de Docville de Lars von Trier, est à voir actuellement sur la scène du Théâtre de l'Odéon Théâtre de l'Europe, à Paris.